Hey, salut à tous et à toutes, et bienvenue sur Sushi TV, ici Mister Sushi, et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage de la Life and Hometown Edition de Sanran Kagura. Voici le packaging, hein. Un carton. Ça, on n'y peut rien, parce que normalement, voilà, quand on connaît les prix qui sont pratiqués pour certains des objets qui sont à l'intérieur, c'est pas grave pour moi. Pour moi, hein, sûr, qu'il n'y ait pas de boîtes spécifiques, parce que normalement, ce sont des bonus qu'on achète à part. Donc, si j'arrive bien, voilà. Tac. Et donc, à l'intérieur, nous avons le jeu. Voilà, tout en anglais. Comme tout le temps, hein. Nous avons un petit message de chez Rice Digital, merci pour tout, avec à l'arrière un tanuki à monter soi-même. Nous avons un t-shirt taille XL, et si j'arrive bien à l'enlever. Ah, on a aussi un petit pins de chez Rice et poster 3D. Je vais enlever ça. Donc, le poster 3D sur internet, il coûte. La seule fois que je l'ai vu, c'était une quinzaine d'euros. En enchère. Donc, ensuite on a le t-shirt. Le t-shirt qui vaut à peu près 20 livres sans les frais de port. Voilà. Hein. Petit t-shirt classique, rouge, vraiment beau. Avec l'héroïne principale, enfin l'une des héroïnes principales du jeu. Et le jeu. Qu'y a-t-il dans ce jeu? Bien sûr, il y a un jeu, bien sûr. Voilà, alors, on ouvre ça. C'est mon deuxième exemplaire, j'ai revendu le premier. Donc, à l'intérieur, nous avons la cartouche, la notice et un code pour le Club Nintendo. Donc la notice, hein, c'est pas grand chose. Ça ressemble à ça. Ici, c'est une version anglaise, hein. J'avais déjà la version Benelux. Bon, ici, voilà, ça change, hein, ça change pas grand chose. Donc ça re-rentre quand même dans ma collection pour remplacer mon ancien exemplaire. Car voilà, j'allais pas prendre. Sachant que le t-shirt il est à 20 livres, le poster il est à minimum 15 euros la dernière fois que je l'ai vu, et le jeu, bon voilà, ça fait vu que j'ai rendu le mien, ça fait pour le même prix que le t-shirt. J'ai pu me reprocurer le jeu, le t-shirt et le poster 3D qui est vraiment assez beau. Bon, dommage que ce soit en 3D, hein. Peut-être que le mettre sous verre, hein, en cadre, peut rendre pas mal, mais sinon, voilà, il est beau. Il fait un peu mal aux yeux, mais bon, il reste vraiment beau. Sur ce, cette petite vidéo de déballage est terminée. Je vous retrouve très bientôt pour une japonaiserie de Sushi TV. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!